46 in college Ave where I was raised, spent my days counting sun rays. À l'abordage, moussaillons, c'est Monkey Tony. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle réaction live. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de réaction live sur un montage BMX. Cette fois-ci, ça sera un montage BMX de Melligan Alfox et de It's AX Go. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Donc, ça tombe bien. On va réagir ça tout de suite, sans plus tarder. Voilà, pas la peine de trop s'attarder sur l'intro. Puisque, voilà, bon, là, ta gueule, on va commencer. Allez, hop. Allez, c'est parti, on va faire le petit décompte. 3, 2, 1, let's go! Ok. Mele et Alex Go. On va baisser un peu le son. Petite cinématique avec son vin. Present. Et c'est pas trop. Hey. L'alcool. À boire avec modération. Ok. Pain. Comme le mec de Naruto là. Ouais. Ou alors un pain dans ta gueule tout simplement. Ok, ça commence. Le petit reverse bump. To side ride, to board. Ok. Putain, j'aime pas trop l'edit. C'est trop rapide. Ok, le board to wall glitch. To board. Ok, plutôt sympa le combo. Mais par contre, l'edit il est tellement rapide que ça gâche un peu les stuns, j'ai l'impression. Le petit reverse bump to treat, nice. Plutôt sympa. Ok, pour l'instant. Ah ouais, je le connais ce stun. Sympa. Pour l'instant, ça doit être que les stuns de. Ah ouais, d'accord. Donc il y a mêlée maintenant. Le petit bump sur la voiture. Pour faire la précision, plutôt pas mal. Ok, un reverse bump to ass. Oh, le treat. J'ai pas vu parce que c'était noir, mais si, il a fait un treat. Ok, un board to board. Le petit wall ride. To board to handle. Plutôt sympa les combos. To board après le handle en plus. Ok, le board to wall ride. Plutôt pas mal. Putain, les hits sont trop rapides, j'aime pas trop. Ok, ce stun je le connaissais. Le petit frame à travers les barres, plutôt sympa. Ah, stylé à signer. Ok, le wall ride. From boost to wall ride. Oh, what the fuck? Ah, ok, nice. Il a fait un bump sur la poubelle pour refaire un board. Le petit wall glitch to reverse cog. Mêlé, un petit board to. Non, handle bunny to board. To wall glitch to board. Et to board encore, nice. Alex go, le board. To top piece, to board. Et il va reprendre le board. Pour refaire le un descente sympa en demi-tour. Ok, mêlée qui va faire. Oh, nice. Oh, stylé. Plutôt original. Dommage que je suis pas très clean. Mais sinon, c'était stylé. Ok, le has to glitch to board. Putain, il y a des bons. Il y a des bons stunts. Il y a des bons combos. Ok, mêlée qui va faire le side ride. 180 to side ride au canal. Oh là là, c'est trop rapide. J'aime pas du tout. Oh, nice. From boost to side ride. 360 to wall ride. Plutôt pas mal. Le wall ride de Alex Go. To well boons pour faire le entry parking. Ok. Ah, la même ciné. Thanks for watching. Ok, c'était rapide. GG. Ok, c'est la fin de cette réaction là. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Alors, je vais donner vite fait mon avis sur le montage, le dualtage entre Alex Go et Meleganol. Donc, l'edit, vraiment. Arrêtez ça! Arrêtez, c'est horrible! Bon, je suis désolé. Enfin, ça dépend des goûts. Là, je juge par rapport au goût des autres ou quoi, mais vraiment, c'est pas du tout mon style. J'ai horreur de ça. Je trouve que ça gâche vraiment tous les stunts en fait. Ce genre d'edit, c'est vraiment pour les OCE à la rigueur, quand c'est rapide comme ça et qu'il y a plein d'effets partout. À la rigueur, pour les OCE, c'est plutôt stylé, mais là, pour un montage comme ça, je trouve que ça gâche vraiment les stunts. J'ai même pas eu le temps de réagir! J'étais comme ça, il va faire side ride, wall ride, putain, il y a les autres. Bon, j'exagère, mais c'était vraiment trop rapide
Et du coup, ça gâche les stunts, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, mais j'aime pas du tout ce style d'edit. Mais sinon, les stunts étaient vraiment sympas. Bien joué à vous, les gars, Melee, Ganol et puis Alex Go. Les stunts étaient vraiment sympas, les combos, tout ça. Bon, je pourrais même pas dire qui c'est qui est le MVP parce que je trouve que c'était vraiment équitable. Donc, j'ai déjà à vous. Et puis, bah, les abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne pour. Pour suivre leur prochain montage, parce que après, peut-être que je pourrais pas réagir non plus à tous les montages. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker leur chaîne qui sera dans la description. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao tout le monde.